sécurité, s'il vous plaît. La mort de Carla était une tragédie, aujourd'hui c'est une catastrophe judiciaire. Nous avons obtenu l'assurance du parquet qu'un appel serait régularisé dans la journée. Et il y aura donc un deuxième procès devant des magistrats de la cour d'appel. Les faits doivent être jugés, on ne peut pas les banaliser. Ce n'est pas une simple dispute, c'est des coups mortels, c'est une mort qui avait été préméditée, organisée, et ça doit être jugé en ce sens par la cour d'appel. Oui, nous dire que le pauvre, il a 15 ans, c'est pas sa faute presque. Voilà, 3 ans pour ça. Ils retiennent même pas la préméditation, ça faisait 6 jours qu'ils tournaient devant le collège, là, qu'ils voulaient faire ça. Ah, sinon, on est dégoûté complètement. Je pense que c'est bien jugé, je pense qu'on a tenu compte de ce que c'était un enfant, même si les conséquences ont été dramatiques. Et il m'apparaît que la décision qui a été prise par le tribunal est sage. Il ne servait à rien de le renvoyer dans les geôles pendant un certain temps. Je crois qu'il a parfaitement intégré la sanction.